Bonsoir à tous et à toutes, me revoili, me revoilà. Donc je vous propose ma toute première ouverture, la première participation donc à mon concours des 400 abonnés. Je suis maintenant à 475 ou 76. Je vous remercie tous, je remercie tous mes nouveaux abonnés de s'être abonnés et puis tous mes anciens d'être toujours là. Voilà, j'ai reçu une participation qui me vient de Christine L. Donc, hop, que j'essaye de ne pas faire voir les adresses. Elle m'a mis un joli washi, comme ceci. Donc, je vais l'ouvrir et je vous basculerai après l'avoir ouvert. Donc, je vais faire comme ça. Je suis en train de... Je sais pas par où commencer. Hop. Donc c'est la première participation donc à mon concours des 400 abonnés. Voilà. Donc. Oh, c'est joli. Hop. Là. Donc je vais vous basculer. Hop. Que je mette mon écran comme il faut pour vous voir. Enfin, je vous vois pas, hein. C'est pour voir si vous voyez bien. Donc, j'ai ma fameuse boîte où je vais mettre les participants. Donc, vous voyez, elle est vide. J'ai mon carnet pour écrire. Donc, je vais d'abord écrire concours des 400 abonnés. Donc numéro 1, je vais mettre sur l'enveloppe aussi, numéro 1. Hop là. Donc Christine. Christine L. Et elle est du 71. Du 71. Donc je vais me faire une petite mes ciseaux ils sont de l'autre bout, je vais prendre les petits ciseaux, tant pis. Je vais me faire une petite bande. J'ai plié ma feuille en deux, donc du coup il va y avoir deux petits morceaux. Là ça va pas être perdu, je vais le garder par là. Donc ici j'ai ma petite boîte avec des petits morceaux de truc comme ça. Donc hop, numéro 1 Christine L du 71, et avec mon petit truc je vais l'enrouler et on va regarder après ce qu'elle m'a envoyé. Donc c'est mon concours des 400 abonnés, je suis donc actuellement à 476 je crois. La dernière fois que j'ai regardé, donc là je vais le mettre hop dans la petite papaye et je la mets dans la boîte. Donc numéro 1 Christine, hop dans la boîte. Je fais un petit peu de place. Donc j'avais demandé une carte sur le thème de Noël. Donc voilà, voici sa magnifique carte. Elle est vraiment magnifique, ta carte. Alors elle s'ouvre comme ceci. Ici sur la partie triangulaire il y a du papier écossais rouge, une jolie découpe miroir, une tête de renne, et puis là il y a une étiquette avec marqué en toute simplicité, et ça a été embossé. Je pense que c'est embossé à chaud. Elle m'a fait un joli tag. Alors je vais regarder. Il est joli ton tag. Donc c'est un très joli tag embossé avec des embossés à froid, avec
des boules de Noël. Donc il est vraiment magnifique. C'est peut-être plutôt comme ça. C'est magnifique et je sais pas si c'est ton papier qui est comme ça ou si c'est toi qui as mis du brillant. Je sais pas comment tu as fait. Il y a du brillant. On voit qu'il y a du... Enfin, du doré plutôt. On voit bien en relief, il y a du doré. Donc là, c'est le relief comme ça et au dos, ça fait ça. Et elle a mis une petite cordelette de Noël, rouge avec le liseré or. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Donc sur l'avant de la carte, il y a marqué Noël ici. Noël, elle a fait des triangles, je pense, que tu as collé en dessous, les triangles. Après, il y a une découpe ronde avec... je pense qu'elle est comme ça. Je sais pas si c'est un sticker ou c'est, ça devait être du papier qui était comme ça. Et un très joli renne découpé. C'est joli. Du papier écossais glitter, je pense. Voilà, c'est magnifique. Et au dos, c'est du papier comme ceci. Une très jolie découpe. Et vraiment, elle est magnifique, ta découpe de sapin avec les petites étoiles qui descendent comme ceci. Et puis, il y a marqué Joyeux Noël. Et ça, c'est un papier que je reconnais bien. Un papier de fond bois avec la neige qui vient de chez Action. Donc je vais regarder son petit mot et puis je vous expliquerai l'intérieur. Donc elle me félicite pour mes 400 abonnés, elle adore regarder mes vidéos, je te remercie beaucoup, c'est magnifique, j'adore la carte que tu m'as fait avec la pochette et tout, j'adore ça. Donc merci beaucoup Christine. Donc je vais mettre le petit mot sur le côté là. Et donc à l'intérieur, avec un papier, elle a fait une pochette. Un joli papier qui vient certainement des blocs de chez Action aussi. Et puis là, c'est des découpes qu'elle est venue coller. Ou alors c'était le papier qui était comme ça. Il y a des choses, je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est des découpes que tu as recollées par-dessus? Peut-être. Il faudra que tu m'expliques. Et puis donc le papier de fond là, c'est un peu le papier qu'on a eu aussi à Noël de chez Action, qui est un peu comme du tricot. Je sais faire ce tricot là, les torsades, je sais faire. Il y a longtemps que j'ai pas tricoté. J'ai tricoté pendant tellement d'années que j'ai arrêté de tricoter. Et puis le joli papier aussi à motif, là, c'est vraiment, c'est magnifique. J'adore ce que tu as fait. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais remettre le petit mot, le tag. Hop! Donc tu as le numéro 1. Alors les copains, les copinettes, n'hésitez pas à participer à mon concours. Il est ouvert donc jusqu'au 15 janvier. Vous avez le temps, hein. Je vais m'en remettre face à la vidéo quand même. Donc il vous reste du temps, hein, parce que mon concours se terminera le 15 janvier. Donc je vous laisse du temps. Donc une simple carte. Vous m'envoyez une simple carte. Je suis super contente. Et vraiment, merci beaucoup donc Christine, parce que c'est magnifique ce que tu as fait. Je ne sais pas où tu as trouvé l'idée de faire comme ça, en triangle et tout ça. Il va falloir que j'étudie un peu donc comment on fait. Moi j'ai pas fait ça encore. Je fais plein de choses, vous voyez rien de ce que je fais en fin de compte. Parce qu'il y a des choses que je fais mais je filme pas. Parce que soit je pense pas à mettre la vidéo, enfin bon. Ou je crois avoir filmé et puis en fin de compte j'ai pas filmé, voilà. Je vais essayer de m'améliorer au niveau de mes vidéos quand même, parce que ça serait bien quand même, hein, que je fasse un peu plus de vidéos.
Donc voilà, c'était donc l'ouverture de la participation numéro 1. Donc à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime tous. À bientôt, scrap bisous les copains et copines.